Bah, youtubeur, je mets dans la description toutes les informations pour rejoindre ma team afin d'aller à la rencontre de Neymar et également pour prendre les stages Urban Ball et être un vrai Urban Baller. Salut youtubeur, c'est Coach. Tiens, ça va ou quoi? Et ouais, j'ai oublié ma casquette. Aujourd'hui, je vais faire le premier cours de foot et de freestyle à mon fils. C'est parti. Alors, t'es prêt pour ton cours de foot? Ouais. Il est où le ballon? Ouais, vas-y. Shoot avec le ballon. Shoot. Shoot avec le pied. Shoot avec les pieds. Ouais. Bon, comme vous l'avez vu aujourd'hui à YouTube, c'est la sortie de la nouvelle balle Urban Ball Junior. Je vous montre le logo. Voilà, c'est juste là. Cette balle, elle est faite vraiment pour les plus jeunes, on va dire les moins de 14 ans. Elle est taille 4, donc elle est plus petite. Et en plus de ça, elle accroche deux fois plus, ce qui fait que vous pouvez avoir une meilleure adhérence, surtout pour les gestes de base tels que les blocages genoux, le slap, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester la balle avec Ryan et on va voir ce que ça donne. Tu veux la balle? Vas-y. Ok, bon, la première étape, ça va être de faire en sorte que Ryan monte sur le ballon, contrôle la balle. Regarde papa comment il fait. Hop là. Tu veux essayer? Vas-y, je te fais essayer. T'es un youtubeur? T'es un youtubeur? T'es un youtubeur? Ah, tu veux le ballon? Vas-y! Monte sur la balle! On tente, hein. Pour l'instant, c'est pas encore ça. Shoot! Qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, prends la balle! Ouais, shoot, shoot dans la balle! Ouais, encore! Pas avec les mains, même si t'es un urban baller! On va essayer de le faire monter sur la balle encore une fois. Ryan! Bon là normalement j'ai un trick, c'est obligé, ça va marcher. C'est tourner la balle sur le doigt. Donne le doigt, donne le doigt. Donne le doigt, donne le doigt, regarde la balle, regarde. Donne le doigt, donne le doigt. T'en fous. Je pensais pas que ça allait être un fiasco pareil. Là il est en train de se barrer. Tu vas où mon fils? Où est-ce que tu vas? Il revient là. Il revient en force. C'est ça Ryan. Numéro 10 du PSG. Et oui, en direct. Je vais lui mettre la balle, s'il a l'instinct du footballeur il va chuter dedans. Content? T'es content, le ballon il est là-bas. Ah là tu me fais plaisir. Ah là tu me fais plaisir. Super. Oh tu donnes à papa. Mais magnifique. Ouais, ouais, regarde papa, regarde papa. Regarde papa, ouais, ouais, ouais. Oh, t'es aux anges là. Il en a rien à foutre. Bon voilà les gars, nouvelle Urban Ball Junior, taille 4, elle accroche beaucoup plus. C'est fait pour les jeunes, on va vous la faire tester tout de suite. T'es prêt Ryan? Ok, t'es prêt? Si vous voulez avoir la Urban Ball Junior et faire partie de cette petite concept de vidéo, tout ce que vous avez à faire, vous allez sur le site urbanball.com d'acheter cette Urban Ball Junior qui, je répète, sont faits pour les moins de 14 ans. C'est une taille 4, elle accroche plus, c'est fait exprès pour les jeunes. Vous faites un clip comme ça en recevant la balle de la gauche de l'écran et vous la renvoyez à la droite de l'écran. Vous l'envoyez, vous mettez le hashtag UrbanBallerJR. On fera une petite compilation de toutes les meilleures vidéos. Comment je galère avec Ryan? Je pense qu'on va rentrer parce qu'il fait archi chaud. On va le laisser un peu jouer. Shoot, shoot avec le ballon, shoot dans le ballon. Allez! Ouais, oh là là, bravo, encore. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, ça commence, non, ça commence pas. Je vais t'asseoir. On s'assoit. Voilà, j'ai vite. Ça se passe comment? Tu fais la passe?
Bon, on s'est réfugié dans un endroit beaucoup plus à l'ombre. Ryan, il est assis, il est posé. Il a dit, je fais une pause. Ok, Ryan, il n'y a pas de souci. Il n'y a plus. Pour les Urban Ballers, j'en profite pour faire le comparatif. Ça c'est la première balle, donc du coup la Urban Ball normale noire. Et ça c'est la Urban Ball Junior, que vous voyez qui est beaucoup plus petite. Et en plus si vous regardez bien de proche, je sais pas si on voit la caméra, mais en fait la matière ici elle est beaucoup plus accrochante. Ça permet de mieux faire les gestes. J'ai mis un petit logo Urban Ball Junior juste pour la différencier. Et la matière est différente. Donc elle est disponible sur urbanball.com. Vous allez checker ça. Ryan lui il a une diète de sportif, il boit de l'eau. C'est bien Ryan. On est rentré, je pense que Ryan s'est un peu reposé. On va quand même lui tester de lui faire au moins un geste avant la fin de la vidéo. Ah, ça y est, tu fais des tricks, tu t'assois sur le ballon. Tu veux faire les doigts? Tu veux faire les doigts? Allez, on va y arriver. Et ouais! Bravo! Check-up-a, vite, check-up-a. Trop fort! Trop fort! Yes! On a réussi. Bon voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'as kiffé. Dans cette vidéo, ce qu'il faut retenir déjà, premièrement, c'était vraiment un vrai plaisir pour moi que de passer un moment avec mon fils privilégié. Un message que je voulais faire passer, c'est que il ne faut pas forcer les enfants à faire quelque chose qu'ils aiment pas. C'était pas du tout le but de lui faire du foot absolument. C'était juste un bon moment qu'on passait ensemble. Et je sais que la plupart du temps, il aime bien jouer au ballon. Donc là, mais il faisait vraiment très très chaud. Donc des fois, c'était compliqué pour lui. On n'est pas resté très longtemps dehors. Mais en tout cas, je sais qu'il a bien kiffé et qu'on a bien rigolé. C'était vraiment un plaisir pour moi. Donc pour tous les parents qui regardent cette vidéo, pour tous les jeunes enfants, faites ce que vous aimez dans la vie en premier lieu, faites votre passion, faites ce que vous kiffez en premier lieu, c'est vraiment le plus important. La deuxième info, c'est vraiment bien sûr que la balle Urban Ball Junior est disponible sur le site urbanball.com. Voilà, et que comme je l'ai dit dans la vidéo, il y a un petit concept qui est le même concept que Nike avait fait à l'époque The Chain, où vous passez la balle de gauche à droite et on fera une longue liste de vidéos avec toutes les vidéos qu'on va recevoir en mettant le hashtag UrbanBallerJR. Bien sûr, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente que je mets juste là, je vous propose de rencontrer Neymar en mon compagnie. Comment? En faisant partie de mon équipe. Les détections seront le 1er mai. J'attends encore vos emails à coachcn21@gmail.com. Je vais aller détecter les meilleurs. Je vous enverrai l'invitation pour pouvoir faire une détection et faire la meilleure équipe possible pour pouvoir gagner le tournoi et aller voir Neymar. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, Snap et aussi le Instagram d'Urban Ball. Il y a beaucoup d'infos. Et aussi pour vous dire que comme la semaine prochaine je serai présent aux détections, je serai aussi présent au stage Urban Ball et je ferai sûrement des vidéos sur Paris où je vous dirai où je suis. Donc soyez connectés sur Snap, surtout c'est là que je vous dis toutes les informations. Mais un gros pouce bleu pour Ryan qui a quand même réussi à faire quelques gestes de foot et pour la sortie de la Urban Ball Junior. Je vous avais dit à la fin de chaque vidéo que j'allais vous faire une dédicace comme on fait sur la Game Family. Du coup là la dédicace va à Sadek Cool qui nous dit j'aime trop ce que tu fais coach, ton projet déchire, en espérant que ça sera moi-même bien sûr. La snapance Sadek qui parlait bien sûr du projet Neymar, donc merci à toi. Si toi aussi tu veux avoir une dédicace à la fin de vidéo, mets-moi un commentaire, un bête de commentaire avec tout ce que tu penses de la vidéo ou un sujet qui te passionne et je prends les meilleurs. N'oublie pas d'activer la cloche des notifications, c'est très important pour être sûr de recevoir les vidéos. En attendant, il faut quand même être abonné à Coachian pour pouvoir le faire, donc tu vas cliquer sur la Urban Ball Junior. C'est bon, t'as cliqué, donc t'es abonné, donc tu fais partie de la vie, tu penses. On se voit bien sûr à la prochaine séance. Bye.